Salut tout le monde, c'est Largo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un nouveau jeu de la semaine. Donc cette semaine, le jeu de la semaine est Stick Fight. Donc dans ce jeu Stick Fight, vous allez pouvoir vous combattre à plusieurs. C'est un jeu de combat plutôt classique mais avec un concept plutôt original qui est de prendre des personnages bâtons et de les faire combattre dans des arènes avec des armes qui peuvent apparaître aléatoirement. Et puis des arènes aléatoires aussi à chaque partie. Donc c'est un jeu plutôt court, donc cette vidéo sera courte aussi. Et d'ailleurs pour ceux qui sont de ma chaîne YouTube, s'il n'y a pas eu de vidéo il y a lundi, c'est que j'ai pas réussi à la faire. Donc je vais pour vendredi et tout, je me mets à l'avance pour les faire. Mais du coup là on va pouvoir continuer pour le jeu de la semaine. Ok, alors là on est dans le jeu, donc certains d'entre vous doivent déjà le connaître. Donc on a... Hop, les options, vu qu'il y a des youtubeurs comme le joueur du grenier qui avait présenté ce jeu, et puis je crois qu'il y en a d'autres, mais je me rappelle plus qui. Donc, on a Master Volume, donc SFX Volume, je sais pas ce que c'est SFX. Musique, volume, le volume là, Master Volume, ça doit être pour les dégâts et tout. Pour le volume des armes, et puis voilà, en fait, tout ce qui va toucher à autre chose que la musique. La résolution, donc moi je la descends. Pour que ça fasse la résolution de mon écran et que ça lague moins que normalement. Ça va quand même un peu laguer, mais de toute façon, même le jeu de base, il lague un petit peu. Ou alors, en fait, il y a des petits problèmes avec les maps. C'est-à-dire que si vous êtes sur une map, de temps en temps, il y a des bouts de la map qui vont disparaître. Et ça va se passer pour même les autres joueurs, en fait. C'est pas juste un lag de mon côté, parce que les autres joueurs, ils ont le même problème. C'est-à-dire qu'il y a des bouts de map qui disparaissent et puis les gens tombent dans le vide. Voilà, par exemple. Il se peut qu'il y ait des trucs comme ça. Il faut faire gaffe, quoi. Framerate 60. Donc, c'est le nombre de FPS. Je vais peut-être descendre à 30. Hop. Oula, non, ouais, non. Ok, bon, 60. Parce que ça veut jusqu'à 120. Full screen on. V5. Bon, ça, je sais pas trop ce que c'est. Anti-aliasing. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et screen shake, donc ça c'est dès qu'on tire avec une arme, en plus de nous propulser en arrière le personnage, l'écran va bouger en fait, il va trembler. Donc si vous voulez, on va mettre à 10 et si ça lag trop, à la limite on changera en pleine partie. Donc on a ensuite game options, donc là les maps, les armes, éditer, hop, ce qu'on veut voir comme arme dès qu'on va jouer comme map. Donc bon, moi je sélectionne tout, donc c'est bon. Il n'y a pas besoin de changer ça. Les armes, bah c'est pareil, justement. Voilà, avec les... en fait, hop, les armes, tout ce qu'il y a comme armes. On a, bon, je les connais pas tous non plus, il y en a vraiment beaucoup. Pistolet, revolver, deagle. Je sais pas ce que c'est. Uzi, God Pistol. AK-47, bon ça, il est pas rare du tout d'en voir. M16 aussi. Le sniper, j'en ai pas vu beaucoup, il me semble. Military Shotgun, Bouncer, Grenade Launcher, Thruster, RPG, Gun, Shotgun et tout. On a Spike Ball. On a en Snake, voilà en fait. En fait, c'est des serpents qui vont apparaître, qui vont suivre les gens, mais vous allez voir. Et c'est plutôt drôle ceux-là. Ils sont vraiment. Donc, ensuite, Auto Pickup. Donc, oh oui! Ah oui! Ah oui, ça c'est pour les items. Auto Pickup, bah oui. Si j'ai rien en main, forcément, ouais, je vais me le mettre. Parce que sinon, ça va être un peu plus long de prendre les armes. Vie, donc, sang, je sais pas ce que c'est. Regenerate HP, Show Wins. Donc, hop, on va juste mettre Show Wins en on. Ensuite, on a les keybindings. Donc, les keybindings, c'est les touches qui vont vous permettre d'avancer et tout. Enfin, de sauter, d'aller... En fait, c'est un jeu en 2D, donc... enfin, ça se voit derrière, mais du coup, c'est... Sauter, là c'est descendre, là c'est du coup aller à gauche et là aller à droite. Vous pouvez utiliser ça et vous avez les autres touches là à droite où vous pouvez mettre d'autres correspondances. Donc de base c'est les flèches du clavier. Là les attaques clic gauche ou alors C apparemment. Et bloc, donc ça c'est pour bloquer une attaque. C'est clic droit ou V. Bon en vrai dans le tas moi je bloque jamais les attaques mais peut-être que c'est efficace. Et là, c'est pour lâcher une arme, F. C'est pas lâcher une arme genre on se rend ou un truc du genre. C'est genre vous jetez l'arme en face de vous. Donc s'il y a l'adversaire et que vous jetez une lance, le mec va se prendre la lance en pleine gueule. Et il va se prendre plein de dégâts. Donc des fois, c'est pratique de jeter des armes. Parce que ça les lance rapidement en plus.
Donc, vous pouvez lancer les armes. Éditeur, bon ça je l'ai vu il y a pas longtemps mais je sais pas à quoi ça correspond. Voilà. Donc hop, d'ailleurs voilà, si on va sur l'éditeur, voilà à quoi ça ressemble. Ça doit être pour créer une map. Ouais, ça doit être créer une map ground. Oh, c'est cool. Ground, est-ce que on peut poser un truc? Non. Ah, si. Ah oui, ouais, mais ouais, on a juste besoin, ok. On clique juste une fois. Hop, et là on clique une autre fois. On pourra peut-être faire des maps drôles avec. Je crois qu'il y a les, oui, il y a les serveurs sur ce jeu. Eh ben écoutez, ce samedi. Ouais, petite interruption parce que j'avais pas fait gaffe à mes disponibilités au moment du record. Donc en fait, l'event, on va le faire le samedi 29 juin. Parce que je peux pas avant. Donc le samedi 29 juin, comme ça en même temps, je pourrais être présent et je pourrais record l'event. Et la vidéo sera publiée sur Future Imaginity. Donc là, ce qui va suivre, si je le mets à la suite, eh ben, c'est falsifié pour la date, mais pour le reste, c'est ok, voilà. Ce samedi ou ce dimanche, je l'annoncerai sur Future Imaginity. On fera un event dessus sur ce jeu. Je vais créer quelques maps pour samedi dimanche et on va penser à mes études. Donc plateforme, si on déplace une... Putain, si on... Ok, voilà. Ah mais... Ah oui, c'est une mini plateforme, ok. Ground. Ah voilà, ground, là on peut tirer comme on veut. Oui, voilà. Là c'est un peu... Ok, c'est un peu mieux. Avec ice aussi. Waouh. On peut pas mettre... Si, on peut mettre des blocs en l'air. Ah ouais, mais non, on peut les mettre juste en dessous de ceux-là. Ah ah! Ouais, il y a une petite technique, parce que du coup, si on regarde, hop, c'est Ice. Si, voilà, si on retourne dessus. Ouais, on peut pas le... Pl si, on peut le placer en l'air. Oh, c'est cool, ça. Voilà, et du coup... bon, là, c'est un truc what the fuck. Mais du coup, on peut... ouais, on peut faire des trucs plutôt cool avec. Donc, bon, on va quitter cet éditeur. Voilà. Et il y a moyen de sauvegarder autosave. Ou sauvegarder tout court votre sauvegarde. Donc, alors, là, on a déjà tout vu. Donc, main menu, qui est le menu du jeu ici. On appuie sur un bouton n'importe lequel et on va pouvoir commencer. Ah, c'est à gauche, le nombre de victoires, en fait. Le show wins. Ok, je vais pouvoir savoir combien de fois j'ai gagné. Bon, alors, du coup, on va faire quick match. Il y aura host match si vous voulez héberger un serveur vous-même. Enfin, un match. Du coup, quick match, on va pouvoir jouer contre des aléatoires. Bon, alors, pour le moment, voilà. La première partie, normalement, on n'est pas dans le jeu. Vu qu'on rejoint une partie qui est peut-être déjà en cours. Voilà, c'est la deuxième qu'on arrive. Là, je suis le vert. Et là, il faut taper. Oh, on voit sur chaque perso combien ils ont de victoires. Ah ouais, dans les coins. Bon, là, je suis mort. Mais du coup, on voit dans les coins combien chaque personne a de victoire. Là, on a le bleu et tout. Moi, je suis ici, du coup. Ok. Viens là. Le jaune, là, il bouge pas. Casse. Oh, non! Putain, mais ils sont trop puissants! Là, cette arme est... Je vais dire, cette arme est pour moi, mais pas du tout. Ouais, vraiment, pas du tout. Je suis tombé dans le vide comme une grosse merde. Oui! Là. Sur cette map, ce que je peux vous conseiller, je suis déjà mort. Ce que je peux vous conseiller pour éviter les pics et même pour aller vite, c'est que vous appuyez sur la touche, vous laissez appuyer la touche pour descendre en fait, pour vous accroupir, et en même temps vous appuyez sur la flèche gauche droite, comme ça vous allez vite. Voilà, c'est parce que c'est une plateforme où vous allez vite. Voilà, tiens, on peut pas prendre l'arme. C'est une arme. Merde, ok, on a un petit problème du coup, game option. C'est où? Auto pick-up. Auto pick-up, faut le mettre en off peut-être. Parce que du coup, ça fonctionnait pas. Ouais, c'est ça, putain. Bon, je sais pas pourquoi c'est auto pick-up en off qu'il faut mettre. Mais du coup, faut le mettre en off pour pouvoir les récupérer. C'est complètement con, vu que c'est l'inverse de la fonction, mais bon. Voilà. Écoutez ce conseil. Putain. Faut faire gaffe parce que là ils peuvent orienter le laser, on va crever. Toi, le jaune, tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Ramène ton... Ah putain! Oh! Oh merde, je suis mort. J'allais dire que j'étais pas encore mort, mais en fait pas du tout. J'ai combien? Putain, zéro victoire! Les bleus et les rouges sont trop forts! On peut savoir qui est fort du coup avec la fonctionnalité Show Wins. Parce que du coup, moi je ne suis pas fort. Et... What? C'est... Non!
Cette arme est trop puissante. Ah, je suis mort. Merde, il m'a démasqué. Ah, une map. Ah non, c'est pas une map avec un pic. Oh, si. What? J'ai jamais joué à cette map. Vraiment, j'ai jamais vu alors que j'ai joué pas mal de temps à ce jeu. L'année dernière aussi. Mais ouais, j'ai jamais vu. C'est une map spéciale Noël. À Noël, j'étais là à Noël, je crois. À Noël, j'y jouais déjà. Ouais. Bon, toi. Oh putain. J'ai même pas vu le move, mais je vais voir. Voilà. Je vais voir passer le move que j'ai fait. Oh mon dieu, le joueur vert retourne le joueur jaune. Il plaque le joueur bleu et il lui fout un kick. Et je crois franchement que c'était un move plutôt cool. Je suis passé en dessous de ses jambes et je l'ai retourné. Il me semble. Peut-être que c'est juste mon imagination. Et non, c'est pas juste ton imagination, c'est la réalité. Oh, non. Oui, non, ça sert à rien. Faut faire gaffe aux chaînes parce que si vous... Mais qu'est-ce... Pourquoi j'ai plus mon arme? Non, voilà. En fait, si vous cassez les chaînes à main nue, je crois que ça fonctionne pas. Effectivement. Si vous savez que des pistolets pour casser les chaînes, vous pouvez les casser en fait juste en envoyant un coup dessus. Bon bah écoute, vu que toi tu ne décides pas à venir m'attaquer, et ben je me mets là. il galère là. Ou alors il lag. Je sais pas. Bon, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Tac, 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 tac. Allez, là-haut. Voilà. Il n'y a plus de chaîne. Non. T'es mort. Oui. Et du coup, il y a des messages random dès qu'on meurt. Enfin, dès qu'on finit la partie. Et c'est dans la couleur du mec qui a gagné. Oh. C'est pas... Ah. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut voler, en fait, les pistolets des gens. Ouh. Une arme. Non. Vas-y. Je la reprends. Elle pompe. Passe. Non, vas-y. Toi, t'as le pistolet, mais moi, j'ai ce katana. Ramène. Putain. En vrai. Ah. Tac. Hop. Crève. J'ai une meilleure arme ici. Hop. C'est un pistolet. T'es où, toi? Mec. Non. Comment il m'a tué? Replay. Je demande un replay. Putain, mais non, le rouge, 8 victoires. Faut le détrôner. Il faut le détrôner. Viens là, viens te faire tuer. Viens. C'est pas toi que je vise. Voilà. Et paf. Ah merde. Je voulais l'attraper à sa descente et l'enfourcher. Mais je l'ai pas réussi. Alors, qui va gagner là? Moi je suis pour le Yellow Force. Enfin, Strength en anglais. Voilà. Putain, allez mon pote le jaune. Non, fallait pas lui laisser sa victoire. Putain, mais t'es pas sérieux. Ok. Bon, là ça va barder. Alors toi, tu te ramènes. Merde, voilà. Le jaune, je suis contre toi parce que tu es mort comme moi en fait. J'allais dire comme une merde, mais non, comme moi. Comme moi actuellement. Ok. Oh, il y a un nouveau mec. Ah bon, il est mort. Oh, je suis resté... Non, je ne suis pas là. Là, je suis pas là. J'allais prendre le pistolet, mais... Ouh. Toi, tu vas... Ah voilà, là on a un pistolet avec... Oh, je suis encore vivant. Plus pour longtemps, j'ai encore... Ah. Le salaud. J'ai encore un pistolet. J'avais encore un pistolet pour les serpents. Ah voilà, cette map est géniale. Coucou, tata. Merde. Ah, non, oui. Putain, je... Saleté de... Je sais pas quoi. Ouh, voilà.
Merde. Putain, en plus, il allait mourir juste après. Moi, je me suis juste fait éjecter en dehors. Hop. Voilà. Je fais le parcours, moi. Non. Ah. Ah. Oh. J'ai réussi à passer. C'était inespéré. Non, tu ne m'attaqueras pas avec ton serpent. Non, tes serpents ne mourront pas. Reculé. Ah. Mais non, mais je suis qu'à une mort. Putain. Une victoire, les gars. Le rouge est quand même à 23 victoires. Oh, c'est mon arme. C'est mon arme. Crève. Ramène-toi. Il essaie de faire la paix. Merde. Non. Oui, oui, il l'a pas récupéré. Ok. Non. Je pensais que j'allais pouvoir, genre, dans son trou, vu que je voulais tester, envoyer des serpents, en fait, pour le tuer. Et comme ça, soit il est obligé de sortir, et du coup, je l'ai avec mon pistolet, soit... Ah, c'est les serpents qui le tuent, putain. Je me suis fait démonter. Putain, il est encore à 25 victoires. Il est trop chaud, ou alors il a une meilleure connexion que nous. Je sais pas ce qu'il joue en sa faveur. Ça doit être qu'il est quand même plus... Oh, plus fort que nous. Les serpents ne me vainquent... Non, ne me vaincront pas. Ne me pas. Putain, il me respecte pas en plus. Il m'envoie dans le vide. Domination. Je peux le dire, le mec, il a 26 victoires aussi. Nous, on en a une, 3. L'autre, 0. Bon, il est... hop, hop. Hop, il est pas là depuis longtemps. Ouh, tu ne vas pas me tuer si facilement. Merde, il jette son arme. Vas-y, attaque-le, oui. Fais pas gaffe à moi. Merde, qu'est-ce que... Je pensais qu'il allait me couvrir le jaune, mais non. Putain, non. Je voulais faire YOLO. Oh, là, il faut se camoufler. Ah, camoufle. Qu'est-ce que... Ah, oh, putain, il m'a envoyé. Il m'a envoyé loin, les gars. J'ai fait... Oui. Pff. Le rouge étend sa domination sur les autres. Il est en haut, là. Oh. Waouh. Waouh. Oh. Oh. Oh, mais c'est un génie. Attends. Mais les serpents ne l'attaquent pas. Si. Ok, ouais, ils attaquaient le bleu aussi. J'ai l'impression que les serpents s'étaient barrés du bleu et qu'ils l'attaquaient pas. Mais là en fait, ils l'attaquent. Ils l'attaquent bel et bien. Ah, je suis à nouveau mort comme une merde. Bon, en tout cas, c'est la fin de la vidéo. Donc voilà, donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à venir à l'event de Stick Fight avec nos maps personnalisées. On va peut-être en faire d'autres aussi si vous aimez en plus. Sinon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Enfin, à dimanche pour un nouveau jeu de la semaine. Et à vendredi pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Dark Boss. Sur ce, c'était Dark Boss de Future Imaginity. Tchuss!